Bonjour tout le monde. Nous sommes dans la troisième session de Comment prier. Nous pouvons faire ça, l'enregistrement là, à la maison. Donc, bien sûr, sonorisation et lumière pour quelque peu différents, quelque peu inférieurs à une bonne qualité qui nous peut envie de produire. Mais toujours, mon envie de donner ça l'enseignement là tous les jours afin qu'ils soient capables de grandir dans la foi, afin qu'ils soient capables grandi dans le Seigneur, avec le Seigneur, et qui ou pas paniqué, ou pas et n'a la crainte, mais ou n'a la foi et ou prier. Nous tous nous tous besoin de prier dans un moment comme ça. D'ailleurs, avant même, nous avons besoin un peuple de prière. Pendant sa pandémie là, nous avons besoin un peuple de prière. Et après sa passage de sa virus là, nous avons besoin aussi une personne ou un peuple de prière. La prière, nous besoin font partie de nous la vie. Comme croyants, comme chrétiens, nous besoin toujours prier, communion, communiquer avec Dieu. Allez, nous venons de la Bible ensemble, frères et sœurs, dans les livres de Luc, chapitre 11, du Pécose, comment prier. Laisse-nous couper la tête, nous fermer les yeux, et nous invite l'enseignant, le Saint-Esprit de Dieu, pour venir enseigner la parole de Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je ne dis rien de moi, mais tout de toi. Je prie qu'il te pense à travers de mes pensées, parle à travers de moi la bouche. Je prie que lesquels de chaque personne est prêt à recevoir la parole, la semence incorruptible de la parole de Dieu. Une seule parole de toi capable de changer de la vie entière. Agis, Saint-Esprit de Dieu, maintenant même, et cause avec nous, éduque-nous, enseigne-nous, donne-nous la connaissance, donne-nous révélation, même corrige-nous maintenant même, corrige-nous afin qu'il nous aligne, nous penser avec tes pensées, nous la vie avec tes volontés. Papa, me remets pour ta présence maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et nous te disons ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons lire dans les livres de Luc, l'évangile, troisième évangile dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, l'évangile de Luc, frères et sœurs, dans le verset 1, c'est ça la base, nous avons la troisième session de comment prier. Alors, il dit comme ça, Jésus-Christ, tu peux prier un jour, tu peux dire ça dans la première session, dans certains lieux, nous finissons de comprendre, nous avons besoin d'un lieu de prière, un moment de prière, grand matin, midi, tantôt, nous avons besoin de comprendre qu'il y a une bonne position de prière. Et là, nous arrivons au sabbat que ben, tu vas dire à Jésus, montre-nous ou enseigne-nous comment prier, pareil comment Jean enseigne ce disciple. Alors, nous ici, nous besoin enseigner parce que Jésus-Christ nous aller dans le monde entier. Et lorsque nous parlons dans le monde entier, nous besoin faire bonne personne, bonne disciple. Et bonne disciple doivent être enseignés comment prier. Et voilà mon devoir de cette semaine-là, mon papa liste devoir de cette semaine-là, parce qu'il m'a envie enseigner de cette semaine-là comment prier. Okay. Maintenant, guide un petit coup dans les livres d'Éphésiens, s'il vous plaît. L'apôtre Paul, par révélation, pour enseigner toute quelque chose, me demande de prendre cette cahier note et cette plume et cette la Bible. Comme ça, je suis capable de trouver dans cette la Bible, de trouver qu'il ne m'a pas exagéré, de trouver tout ce qu'il m'a pas dit dans la parole de Dieu. Et je prends note, s'il vous plaît, je suis capable de méditer de sa parole-là. Éphésiens chapitre 6 nous prend à partir, laisse-moi guider un petit coup, Éphésiens chapitre 6, verset 18, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, le verset 18, il dit. Faites en tout temps par l'Esprit, soulignez ça, faites en tout temps, donc faites en tout temps, dans tout le moment, toute l'occasion, par le Saint-Esprit, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Alors nous comprenons ça et nous apprenons. Hein? Nous comprenons ça et nous apprenons. Dieu peut dire à toi, faire en tout temps la prière, d'accord? Mais de la prière, bien, est dirigée par le Saint-Esprit et elle a plusieurs sortes de prières. Il dit toutes sortes de prières. Il n'y a pas un seul qualité type de prière, il y a plusieurs qualités types de prière. Et pareil que mon étudiant dans session numéro 2, frères et sœurs, pareil qu'on a différents types de sport qui te faisaient jouer avec une boule, par exemple tennis, pétanque, football, basketball, volleyball, ainsi de suite. Tout cela te faisait une boule pour te jouer. Mais seulement chaque sport et chaque boule est un principe, lit pareil. Dans la prière, il y a différents types de prière et chaque la prière, il demande un principe de prière. Nous disons que c'est un principe qui prie là. Et toute la prière, bien, est dirigée par le Saint-Esprit. Alors, quand tu recevras le Saint-Esprit, quand tu remplis par le Saint-Esprit, lis pour montrer toi qui la prière bien faire. Mais tu comprends aussi quand nous rentrons un petit coup dans les livres de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, frères et sœurs, nous prenons le premier verset même. Luc chapitre 18, premier verset. Luc chapitre 18, premier verset. Il dit à nous comme ça. Jésus leur adressa, Jésus qui peut causer là, hein? Ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier
et ne point se relâcher. Alors, celui ça, moi, vous avez une personne de prière, toi, vous avez une personne de prière, vous avez un peuple de prière, il faut toujours prier et non pas relâcher. Un dimon qui priait, il y a un dimon qui est puissant, un dimon qui pas prié, il y a un dimon qui frêle, il y a un dimon qui est faible, il y a un dimon qui pour souvent les fois et vite fois découragé. Okay? Il pourrait relâcher tout le temps. Dans sa mot relâcher là, avec tout respect, il y a un mot qu'on appelle lâche. Alors, quand une personne qui pas prié te vient, comme je dirais, un lâche, un capon, une personne qui est découragée vite, nous pas désir, nous parler qui te décourage vite, et comme ça, comment mon capable et toi, c'est qui te vient une personne de prière. Là, c'est le moment de prier encore. Mon redis à toi, nous utilisons à prier avant, nous prier pendant sa pandémie-là et nous prier après sa pandémie-là. D'accord? Nous, tout le temps, besoin vient une personne de prière. Jésus-Christ dit, nous, besoin prier toujours et non pas relâcher. On met dans l'autre verset maintenant qui nous trouve dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Nous apprendre d'autres choses encore, d'autres mystères qui cachent dans la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 17, gloire à Jésus-Christ. Alors, la Bible dit comme ça, trois mots simples, prier sans cesse. Prier sans cesse. Alors, nous avons toujours une personne de prière. Nous comprenons depuis le commencement de ça, l'enseignement-là, que numéro un, nous avons prier et prier inspiré par le Saint-Esprit. Trois, il y a différents types de prières. Différents types de prières. Laisse-moi donne-toi un peu un type de prière qui te bien noter. Okay? Un type de prière. Et là, par exemple, la Bible fait mention la prière de la foi. La prière de la foi. La prière de consécration. La prière de consécration. La prière de la foi. La prière de consécration. La prière de la charité. La prière de la charité. La prière de supplication. Maintenant, à cause d'un ensemble de supplication, il y a beaucoup de monde croit que le mot supplication veut dire que je vais supplier mon Dieu. Non, loin de là. Je peux expliquer dans cette émission-là, c'est quoi la prière de supplication? C'est quoi la prière de supplication? N'a peine aucune place dans la Bible qui Dieu dit à nous de supplier lui. Non, Dieu dit à demander, nous pour recevoir, chercher, nous pour trouver, frapper et la porte pour ouvrir. Je peux expliquer exactement ça veut dire quoi, supplication. Après, nous avons la prière de remerciement, nous avons la prière de l'adoration, nous avons la prière de louange, nous avons la prière judiciaire. Ça m'a bien remercié mon grand frère, le docteur Glenn Arikion, qui enseigne moi, enseigne nous ça. Et puis, nous avons aussi la prière de l'intercession. Je connais, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je suis dans l'intercession. Mais moi, envie de dire, toi, qui dans l'intercession, il y a quatre différents types de l'intercession. Quatre différents types de l'intercession qui me enseigner toi, dans cette émission-là. Et puis, bien sûr, nous avons la prière en langue, la prière en esprit. Mais m'aurait dit, la prière de la foi, la prière de consécration, la prière de la charité, la prière de supplication, la prière de remerciement, la prière de l'adoration. L'adoration n'est pas juste prendre un petit cantique qui lente et chante avec Dieu. Non, une prière de l'adoration, frères et sœurs. Quand nous pouvons adorer, nous pouvons en communion avec Dieu. Tu peux comprendre que la prière, ce n'est pas un rite, ce n'est pas quelque chose de rituel. La prière, c'est communion avec Dieu. C'est un moment qui nous peut passer les temps avec Dieu. C'est une façon qui nous peut causer avec Dieu et Dieu cause avec nous. Dans la prière, dans un mot qui nous appelle communion, là, bien dans le mot aussi qui nous appelle communication, qui nous cause avec Dieu et Dieu cause avec nous. Donc, la prière, c'est une relationship entre nous, les enfants de Dieu, et Papa Céleste. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je nous explique ça dans session 1 et session 2. Donc, l'adoration n'est pas juste une cantique lente. Il y a beaucoup qui l'adoration, c'est une cantique. Quantique lente, où on a partiellement raison, mais lit aussi ban un moment que moi assisé, me ferme les yeux et moi juste adore mon bon Dieu. Là, moi peux exprimer moi avec mon bon Dieu. Moi pour enseigner tout ça là dans sa bonne émission là. Après, maintenant, la prière de louange, tu peux trouver ça aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsque Paul et Silas a été mis dans prison. Pour une chose qu'ils viennent faire, attachés, liés dans prison, mais seulement environ minuit, je commence à faire la prière de louange, pas juste cantique de louange, la prière de louange, pas tenant aucun YouTube là, pas tenant aucun musicien, pas tenant aucun
guitariste et batteur dans sa prison. C'est moi, je commence à louer bon Dieu, j'exprime cette pause de la voix de louange. C'est pour tout ça aussi avec Jéhoshaphat qui fait ça dans l'Ancien Testament. La prière de louange y apporte la délivrance. La prière de louange y apporte la délivrance. Et puis, tu en as la prière judiciaire qui nous peut expliquer toi, la prière de l'intercession qui nous peut expliquer toi. Donc, pas oublier, tu écoutes ça l'émission là. Mon quoi, vous pouvez essayer mon mieux pour mettre ça l'émission là tous les jours 6 heures. Tous les jours 6 heures. Comme ça, tu es capable, prépare-toi avec de la Bible, tu as une note et de plume pour toi. Prendre. Maintenant, laisse-nous comprendre l'autre petite chose qui est très importante, frères et sœurs. Tu as un être qui nous appelle un être céleste. Un autre mot pour ça, c'est un ange. Okay? Et moi et toi, aucun ange, laisse-moi dire ça avant, aucun ange a été créé à l'image de Dieu. L'humanité, l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, tu crées à l'image de Dieu. Quand Dieu dit comme ça, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il n'y a pas cause de côté physique, parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Et moi et toi, nous, une seule personne, mais seulement, il y en a trois comportements. Une seule personne, un seul James Harrington qui te peut trouver là, mais seulement, il y en a trois comportements. Dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il dit esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Donc, lorsque toi et moi, nous pouvons passer un moment avec Dieu dans la prière, le Saint-Esprit pour diriger nous l'esprit, le Saint-Esprit pour diriger nous l'esprit. Dans le livre de Jean, chapitre 3, il dit tous ceux qui naissent de nouveau, c'est l'esprit qui peut communiquer avec l'esprit. L'esprit qui peut communiquer avec l'esprit. D'accord? La chair ne sert à rien. Okay? Donc, quand nous prions, nous ne pas prier charnellement, nous prions spirituellement dirigés par le Saint-Esprit. Okay? Mais pareil que moi, mon ange, il a trois, moi explique-toi ça, hein? Il a, mon cas, dis-toi ça, différentes responsabilités angéliques. Laisse-moi explique-toi. Tu as un ange, comme par exemple Lucifer lui-même, il tient adorateur. D'accord? Il tient adorateur qui veut dire qu'il vient devant la présence de Dieu, il apporte l'adoration, il est là devant la présence de Dieu. Et toi et moi, pareil que moi, mon ange adorateur, nous ici, nous vis-à-vis d'un peuple adorateur. Ok? Numéro 2 maintenant. Il y a un ange qui est un messager. Ok? Un autre mot pour ça, c'est un ange messager et un ange ouvrier. Ok? Je travaille pour bon Dieu. Pareil que moi, il y a un ange qui est messager et qui est ouvrier. Nous ici, le peuple de Dieu, nous besoin d'un peuple qui œuvrait pour Dieu et un peuple qui a un message. Tout le monde qui est croyant, qui naît de nouveau, qui prend ce baptême et qui remplit par le Saint-Esprit, nous, il y a un message. Ton témoignage, il y a un message. La Bible dit comme ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La raison pourquoi nous ne recevons le Saint-Esprit, c'est qu'il nous capable témoigner. Donc, la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous, donne-nous l'habilité pour nous capables témoigner. Nous témoignages capables changent la vie d'un démon. Nous témoignages capables sauvent la vie d'un démon. Nous témoignages capables produire la foi dans les cœurs d'une personne. Donc, tout démon, nous, ban témoin de Dieu, tout ban démon qui l'a, selon les livres des Actes des Apôtres, qui nous recevons le Saint-Esprit, nous besoin témoigner. Nous besoin témoigner, nous gardons du témoignage du cadre de notre enseignement qui apporte l'encouragement et l'édification. Donc, maintenant, c'est un adorateur. Nous ici, nous bisons adorer. Nous ici, un adorateur. Nous comprenons qu'il y a un ange, un ouvrier et un messager. Nous ici, nous une personne qui ouvrier et messager de Dieu. Et puis, troisièmement, écoute-moi, Esther, un ange représente Dieu dans le lieu céleste, nous représentons Dieu dans le lieu terrestre. Okay? Donc, il y a un parallèle, hein? Il y a un parallèle pour tout cas à comprendre ça. Ben, ange, c'est aussi, troisièmement, ben, guerrier. Et toi et moi, nous venons d'un peuple qui, ben, guerrier. Okay? Maintenant, nous pas la guerre contre la chair et le sang. La Bible dit, nous, la guerre, nous ben, combattons dans la prière. Nous mettons nos genoux en bas, nous besoin qu'on prier. Nous mettons nos genoux en bas, nous besoin qu'on faire un combat spirituel. Et tout ça là, nous pouvons s'inscrire dans ça, l'émission qui nous appelle comment prier là. Donc, n'a pas oublié, pareil comme un ange, parallèlement ensemble avec nous, un ange qui œuvrait dans le lieu, dans le lieu céleste, pour nous dire ça, dans l'atmosphère. T'as pas trouvé un ange, par contre, t'as pas trouvé ça virus là, mais c'est moi, t'as pas quoi qui a ça virus là. Pareil, nous pas trouvé un ange, mais moi, je connais qu'il y a un mouvement angélique. Et suive-moi bien.
Toi, la prière, moi, la prière, nous, la prière apporte un mouvement angélique qui me pense à un moment-là. Donc, nous, la prière, il y a une communion avec Dieu, il y a une communication avec Dieu, mais il aussi provoque un mouvement angélique. Il aussi provoque un mouvement angélique. Nous, la prière, il est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, nous, la prière, il y a une zone spirituelle. Lorsque tu comprends ça, tu as besoin de comprendre qu'il y a une, quand tu peux prier, c'est une opération spirituelle pour une manifestation surnaturelle. Une opération spirituelle pour une manifestation surnaturelle. Donc, lorsque toi et moi peux prier, nous pouvons trouver ça dans le livre de Luc chapitre 3. Jésus commence à prier. Lorsque lui peut prier, le ciel s'ouvre pour lui. Lorsque toi et moi, frères et sœurs, nous prions, le ciel pour ouvert pour nous et pour un mouvement angélique. Pour un mouvement angélique, un ange prend nous la prière, lui amène vers le Père et lui retourne avec la solution et la réponse. Okay? Tout cela, nous pouvons apprendre de sa émission-là. Okay? Donc, nous avons une personne qui combat dans la prière. Encore une fois, on m'aurait dit, nous pas la guerre contre la chair et le sang, nous pas combattre, nous dans un combat. Mais ce combat-là, ce n'est pas contre la chair et le sang. Lui pas contre une personne, lui un combat spirituel contre un fléau de l'ennemi, contre un enchuté de l'ennemi, contre un mauvais esprit, contre un démon, contre le ruse de Satan, ainsi de suite, contre la principauté. Donc, nous, la prière, nous bisez combattre dans la prière, d'accord? Donc, m'aurait dit, nous, un adorateur, nous, un ouvrier et un messager, et nous, un guerrier en Christ. Nous, un guerrier en Christ, ok? Nous, on va dire cela encore une fois, vite fait, s'il vous plaît, dans le livre de Luc, chapitre 3, quand la Bible dit, le ciel s'ouvre pour toi, s'ouvre pour nous lorsque nous prions, ok? Luc, chapitre 3, Jésus-Christ, fait, fini, prend ce baptême de l'eau. Et m'encourage toute une personne qui ne recevoir Jésus-Christ ou qui envie recevoir Jésus-Christ, prend ce baptême de l'eau, parce que Jésus-Christ dit, tous ceux qui croient tous ceux qui croient et sera sauvé, ceux qui croient, bisa prendre le baptême, mon petit get ça. Luc chapitre 3, s'il vous plaît, laisse-nous get Luc chapitre 3, nous prend à partir le verset, Luc chapitre 3, nous prend que Jésus-Christ peut prendre ce baptême, Luc chapitre 3, le verset 21, Luc chapitre 3, le verset 1. Tous ceux qui croient et baptisés sera sauvé. Tous ceux qui croient et baptisés sera sauvé. Ok, tout le peuple, Luc chapitre 3, le verset 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. En passant, lorsque Jésus-Christ prend ce baptême, ou pour y aller dans verset 23, il y en a environ 30 ans. Les pannes prennent baptême quand ils sont côté baba. Okay? La Bible par cause à baptême. Je ne suis pas là pour critiquer, mais là pour enseigner. La Bible par cause baptême bébé, la Bible cause baptême. La signification du baptême veut dire qu'il me croit en Jésus-Christ, me quitte mon ancien la vie et me prend un nouveau la vie avec Jésus-Christ. Okay? L'autre fois, nous avons cause ça. Alors tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, remarque bien, hein, je te souligne ça, pendant qu'il priait, lorsque Jésus peut prier, le ciel s'ouvrit. Alors, il paraît, lorsque moi, toi, nous commençons à prier, le ciel commence à ouvrir. Maintenant, laisse-moi dire à toi quelque chose. Si toi, tu peux vivre sous un ciel fermé, ça démontre une malédiction. Selon le livre de Deutéronome, chapitre 28. Quand il dit ça, dans les temps personnels. Nous croire que lorsque nous prions, le ciel ouvert, et quand le ciel ouvert, la Bible dit, nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu, ça numéro un, et deuxièmement, nous sommes capables de recevoir la petite chose de Dieu. Dieu n'a pas de bonnes choses qu'il est réservé pour nous, mais si le ciel est fermé, c'est parce qu'il nous pas de prier, et quand nous prions, le ciel s'ouvre pour nous, Dieu entend nous la voix, et Dieu répond à nous la prière, et Dieu déverse bénédiction et avoyez ma réponse pour nous. Okay? Donc, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et la Bible dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Maintenant, écoute-moi bien, quand tu priais, la Bible dit nous comme ça, Dieu pour cause avec nous. Qui fait Dieu pour cause avec nous? Notez s'il vous plaît. Dieu dit avec Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Un de mes premières petites choses quand tu peux prier, quand Dieu peut répondre à la prière, c'est qu'il est pour rassurer toi de ton identité. Tu n'as pas ce qui dit mon Dieu tu étais, tu as ce qui bon Dieu dit tu étais. Donc Dieu pour rassurer toi de ton identité. Irrespective qu'il arrivait dans ton passé quand tu crois en Jésus et quand tu demandes pardon, Dieu rassure-toi de ton identité. Tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu es un héritier de Dieu et un co-héritier avec Jésus-Christ. Donc Dieu rassure-toi de ton identité et il dit en toi j'ai mis tout
mon affection. Et Dieu dit à toi, Moussa, beaucoup donne-toi, ban quitteuse. Dieu rassure-toi de son amour pour toi. Dieu rassure-toi qu'il te unique, te spécial et te important. Te unique, te spécial et te important. Jamais t'oublier à qui point bon Dieu considère-toi important, à qui point bon Dieu contente-toi. Tellement l'in contente-toi qu'il en a envoyé son fils unique. Mon frère, mon soeur, il n'a pas envoyé un de ce bon ange. Il y en a plusieurs anges. La Bible dit qu'il y en a myriades et myriades de bon anges. Il en a envoyé son fils unique. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, arrête de dire personne pas content moi. Bon Dieu contente-toi. N'a pas oublié, bon Dieu contente-toi. Rassure-toi de ça. Lorsque nous pécons de s'assurer aussi de l'amour là, toute la prière besoin d'être inspirée par le Saint-Esprit et toute la prière, frère et soeur, écoute-moi bien, toute la prière besoin basée sur l'amour. Toute la prière besoin basée sur l'amour. Pourquoi? Dieu est amour. Dieu et amour. Quand on a le Saint-Esprit, quand on nous remplit par le Saint-Esprit, nous remplit avec amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Si on a Dieu dans moi, si le Saint-Esprit demeure dans moi, maintenant Dieu est en trois personnes, un seul bon Dieu manifesté en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, Jésus, le Fils et le Saint-Esprit. Pareil quand tu prends un plaque, ok, quand tu as ouvert ça plaque là, il y a trois différents couleurs de fil, mais une seule plaque, une seule prise. D'accord? Pareil, tu as Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Alors, pas oublier ça. Et tous les trois, ce Dieu, et tous les trois, cet amour. Ok? Tout ce que Jésus il fait pour toi, la croix du calvaire, il fait ça parce qu'il compte en nous. D'accord? Il fait ça parce qu'il y a un Dieu d'amour. Nous servir un Dieu d'amour. Maintenant, si bon Dieu, il y a un Dieu d'amour, et si ce Saint-Esprit, si le Saint-Esprit de Dieu peut demeurer dans nous, ça veut dire que nous sommes un peuple d'amour. Donc, toute la prière bizarre basée sur l'amour. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40. Moi, tu as cité pour toi, mais je préfère ouvrir la Bible pour être capable d'y aller bien, pour ne pas les faire erreur dans les citations des Écritures. Alors, nous prenons Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Prends note. Matthieu 22. Alors, toute la prière est inspirée par le Saint-Esprit, motivée par l'amour. Matthieu 22, nous pouvons apporter le verset 37. Là, Jésus-Christ peut donner nous un commandement. Rappelle bien, ce n'est pas une succession là. Ce n'est pas l'opinion là. Là, c'est commandement. Dieu peut donner toi un commandement. Et là, nous disons ça, moi, pasteur, je ne veux pas vivre sur aucun commandement. Non, non, non. Dans le Nouveau Testament, nous avons encore un commandement qui nous besoin respecter. Et là, Jésus-Christ, pour dire toi, dans le Nouveau Testament, le commandement, chapitre 22, le verset 37, chapitre 22, le verset 37, il est comme ça, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Donc, Dieu dit à nous comme ça, quand on a une relationship, une communion avec lui, nous disons, on a l'amour. Nous comptons premier d'abord, nous bon Dieu. Dieu passe avant tout. Et puis, il paraît là, Jésus-Christ dit dans les versets 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Maintenant, il dit dans les versets 39, et voici le second qui lui est semblable. Deuxième commandement maintenant, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans sa vie, c'est là, on a trois personnes qui nous disent contents. Numéro un, Dieu. Dieu passe avant tout, nous sommes contents, nous bon Dieu, de tous nos lesquels, de tous nos pensées, ainsi de suite. Nous sommes contents, nous bon Dieu. Dieu passe avant tout. Dis ensemble avec moi, mon content, mon bon Dieu. Maintenant, quand tu es content, ton bon Dieu, écoutez, quand tu es content du monde, tu as envie de passer le temps avec lui. Quand tu es content du monde, tu as envie de trouver lui, tu as envie de causer lui, tu as envie de tendre sur la voie. Tu as envie de content du monde qui t'a pas envie de trouver lui, tu as envie de tendre sur la voie. Pareil, si nous content, nous bon Dieu, nous avons envie de causer avec lui. Et façon qu'il nous cause avec nous, bon Dieu, c'est pas l'intermédiaire de la prière. D'accord? Nos vies causent avec lui, nos vies tendent sur la voie, nos vies passent le temps avec lui. Et ça, c'est très, très, très important. Pas oublier que dans le mot adoration, il y a un mot qu'on appelle adore. Donc, ce mot adore-là, c'est un profond d'amour. J'adore, je t'adore. Ok? Donc, pas oublier ça. Et trois personnes qui nous sont contents. Dieu, premier d'abord. Après, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième personne qui te faisait content, toi-même. Tu as besoin d'apprendre content toi-même. Tu n'as pas qu'à content ton prochain tant qu'il te apprend content toi-même. Tu as besoin content qui Dieu, tu as besoin content Dieu, premier d'abord. Après, tu as besoin content toi.
Moi, mon bien dans moi. Mon palais qui te vient orgueilleux, mais c'est moi te besoin un respect pour toi-même, un respect de soi-même. Dans l'amour, il y a un respect. Te respecter, bon Dieu, te respecter toi-même. Te respecter, bon Dieu, te respecter toi-même. Après, troisièmement, ton prochain. Maintenant, ton prochain, qui s'en a plus près dans sa mot, ton prochain, la personne qui est plus proche avec toi dans ton prochain, c'est bien sûr ton époux, ton épouse, ton papa, ton maman, ton frère, ta soeur, tes enfants, ton garçon, ta petite fille, ainsi de suite. Ça, te prochain le plus près, excuse-moi. C'est ça, c'est ton prochain le plus près. D'accord? Donc, pas oublier, frères et sœurs, toute la prière, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Il peut diriger toi dans la prière. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prière. Il peut diriger toi dans la prière qui bien fait, dans plusieurs types de prières. Pas oublier que toute la prière, c'est basé l'amour. La raison qui fait me prier, me cause avec mon bon Dieu, c'est parce qu'il me compte en lui. La raison qui fait me prier, c'est parce qu'il me compte en moi ici. Moi, envie, moi, la vie protégée. Moi, envie, moi, la vie en sécurité. Moi, envie qui, moi, envie réussir dans la vie. Moi, envie prospérer dans la vie. Moi, envie béni dans la vie. Moi, envie dans la paix. Moi, envie dans la bonne et parfaite santé. C'est à cause ça qu'il me parce qu'il me compte en mon bon Dieu et me compte en moi-même. Et me connaît qui par moi-même, moi pas capable, mais avec Dieu, toute chose est possible. D'accord? Et puis troisièmement, parce qu'il me compte en mon madame, parce qu'il me compte en mon parent, parce qu'il me compte en mon petit-fille, parce qu'il me compte en Zut, moi besoin prier pour Zut. Okay? Donc, moi la prière, moi besoin prier pour Benjamin. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 8, il cause la loi royale, excuse-moi, la loi royale, ça veut dire l'amour. L'amour, c'est la loi royale. L'amour, c'est la loi royale. Okay? Moi, envie de toi encore des quelque chose encore concernant la prière. Alors, nous pas apprendre ma catégorie de prière, nous apprendre tout ce qui a été type de prière, mais ma catégorie de prière, requête dans la prière, l'adoration dans la prière, résistance, je veux dire combat dans la prière, et puis méditation dans la prière. Nous pas apprendre ça ma catégorie là, là nous pas comprendre qui a été type de prière qui nous besoin faire dans sa dans sa moment là, comme on dit dans un moment là, moi parce que juste dans un moment qui nous à la maison nous obligeait à rester à la maison à cause pour notre protection et notre sécurité à cause ça virus là. Non, moi peux dire qui a été type de prière dans un moment qui nous peut passer dans notre vie, tout dans les tempêtes de la vie, peut-être une tempête financière, peut-être une tempête familiale, peut-être une situation dans l'écho, une maladie, ainsi de suite. Qui a été type de prière, tu mis à prier. Mais seulement toute la prière, sous catégorie, les résumés en ceci. Requête de prière, Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Révérence, ce soit l'adoration dans la prière. Jean chapitre 4, verset 23-24. Jean chapitre 4, verset 23-24. Résistance, soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable et il vous fuira de toi. Jacques chapitre 4, verset 7, ça veut dire le combat dans la prière. Et puis méditation, nous disons médite dans la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole de Dieu, mais pas toute parole de Dieu. Vite fait, note ça s'il vous plaît avant de terminer. Juste aujourd'hui, je vous donne toi dès l'empêchement concernant de la prière. Et je vais te sortir là-dedans pour comme ça, Dieu capable d'agir et répondre de la prière. Nous allons prendre une autre fois là, dans session 2, l'impardon. Fais attention avec l'impardon, tu as besoin de marcher dans l'amour et côté dans l'amour et dans le pardon. Côté dans l'amour et dans le pardon. Et deuxième, je me donne toi deux ou trois aujourd'hui, mon note trois, donc je me donne toi des trois aujourd'hui. Donc, un, il finit comprendre l'impardon, il vient l'empêchement dans la prière. Deux, le doute, arrête de douter quand tu pries, tu veux prier avec la foi. Trois, querelle et dispute. Écoutez, mon frère, mon soeur, Dieu n'est pas capable de bénir un foyer qui est rempli avec querelle et dispute. Dieu n'est pas capable de bénir un dîme qui est content de quereller et discuter et dire avant quelque chose qui est blessant. Nous devons apprendre contrôle de l'émotion, apprendre contrôle de la bouche, apprendre contrôle de la langue. D'accord? Et ça, tu peux trouver ça dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, versets 6 à 12. N'a pas vu une personne qui querelle et dispute pour venir un empêchement à Dieu pour exercer la prière. Pas parce qu'il n'y a pas envie, mais parce qu'il te met dans le mur à travers tes querelles et tes disputes. Et là que tu es dans querelle et dispute, tu connais le Saint-Esprit pour amène-toi, raisonne-toi, pour amène-toi dans l'amour, mais te bien soumettre devant Dieu. Et finalement, que tu es dans une mauvaise quitteuse, quand tu fais une mauvaise quitteuse, en anglais, on appelle ça evil things. Quand tu fais méchant, tu n'es pas capable de croire qui te pour recevoir une bonne chose si tu es une personne qui est méchant. Mais gloire à Dieu, toi et moi, nous ne sommes pas méchants, nous sommes les enfants de Dieu. Laisse-nous terminer en prière. J'espère qu'il t'en apprenne beaucoup de quitteuse. Je vais donner un résumé ce que nous pourrons encore et encore dans ma profondeur. S'il te plaît, tu es capable notre bonne quitteuse, te faire moi connaître qui te peut apprendre bonne quitteuse. Pas oublier, ne pas. Je ne vais pas faire aucune
Facebook Live. Bon, faire tout par YouTube, qui ça reste. Le YouTube, moi, tu as content de subscribe à notre chaîne CFC Mauritius. Et subscribe, après, un petit la cloche là, pèse le là, chaque fois qu'il m'envoie un enseignement, il peut notifier toi qui m'a fait faire un enseignement, d'accord? Alors, bon, pas pour faire aucun Facebook Live, sauf un écoute, mais bon, faire tout par YouTube, faire tout mon camarade connaît, faire tout mon frère, soeur connaît, et moi, certainement, envie de faire ça pour montrer toi comment prier, parce que le peuple de Dieu, pas capable, reste dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et dans le livre d'Ésaïe, il dit comme ça, mon peuple est en captivité à cause de la connaissance. Ok, mon palais est en captivité, mon palais périt à cause faute de connaissance. Et mon devoir comme un pasteur, comme un enseignant de la parole de Dieu, pour enseigner toi la parole de Dieu. Et donc, c'est ça mon désir. Mon désir pour enseigner toi la parole de Dieu, comme ça, nous allons grandir avec Dieu. Ok, frères et sœurs, donc laisse-nous terminer en prière. Pas oublier subscribe, nos chaînes YouTube, et nous restons en communication. Dans ce moment-là, viens une personne de prière, tu gagnes l'opportunité. Reste la case, et donc reste la case, passe un moment aussi dans la prière. Laisse-nous couper la tête, nous fermons ici. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je me remercie toi pour ce bon enseignement qui t'a fini de nous là. Saint-Esprit, te dire, c'est toi nous l'enseignant, et te dire aussi, te pour faire nous rappel, tout bonne quitteuse qui t'enseigne. Vous priez qui te grave cette parole-là dans nos lesquelles. Vous priez qui te inspire nous à la prière. Vous priez qui tout le temps nous pointe peuple qui est rempli avec l'amour. Saint-Esprit, tiens toute l'offense dans nos lesquelles. Saint-Esprit, tiens tout l'esprit de querelle et dispute au-dedans de nous, dans l'état de notre âme. Délivrez-nous maintenant même dans le nom de Jésus. Nous besoin de toi maintenant même durant ce moment-là et durant tout le moment de nous la vie. Nous demandons de protection, Papa Céleste, protège-nous la vie, protège-nous maintenant même par te disant, protège-nous par ta parole, protège-nous maintenant même par ton ange, mon ange de Dieu relâché comme protecteur pour protéger nous et pour défendre nous contre tout fléau de l'ennemi. Protège-nous maintenant même dans le nom de Jésus-Christ contre tout bonne quitteuse qui est l'esprit vipère pérou de fer. Te protège-nous, Papa Céleste. Nous mangeons le tout bon serpent, nous mangeons le tout bon scorpion maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me remets toi maintenant même tout bon mauvais esprit, tout bon l'esprit de mal, l'esprit de maladie, l'esprit de malédiction, tout bon l'esprit d'infirmité. Je t'en bats nous les pieds maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Papa, me remets toi. Vous priez maintenant même qu'il donne chaque personne la paix. Protège-nous, donne-nous la sécurité et la paix dans nos pensées, la paix dans nos états d'âme, la paix dans nos foyers, Papa Céleste. Nous prions pour la paix. Nous avons la paix avec toi. Moi, maintenant, nous prions pour la paix de Dieu qui vient dans nous la vie qui surpasse toute compréhension. Merci Seigneur qui est toujours avec nous, jamais te peux quitter nous, ne délaisse nous. Merci Papa Céleste, me louer toi, me bénis toi, me remercie toi. Te pénanoyer plus grand et plus puissant que toi. Merci Père Saint pour toutes les choses qui te peux faire dans nous la vie. Nous louer toi, Papa Céleste. Merci Papa, dans le nom de Jésus-Christ, et nous te disons ensemble, Amen. Merci beaucoup encore une fois pour l'attention et porte à ça encore une fois, sa bonne parole-là. Sois béni, sois fort et reste en sécurité.